Whoa. My eyes fool me, I'm sure. What the fuck? I don't understand. How is this possible? Oh my god. Donc ça, c'est Rod enfant. Décembre 1955, jour de deuil tragique. Son père est mort. Hier, un malheureux accident s'est produit. Le célèbre glacier Joseph Sullivan a été renversé. L'identité de la personne conduisant le véhicule n'a pas été découverte. Rod, do you live here? Rod, tu habites ici? Rod, are you at home? Rod, tu es chez toi? Tu dois retourner auprès d'elle. Tu ne comprends toujours pas, s'il te plaît? You tu dois revenir. Oh, tout cela a une explication, Rod. Rod! Rod! Well, in that case, dans ce cas, je te laisse t'occuper de ça. It has Elle a été écrite par ta propre mère. Mother. What? On va découvrir c'est qui la mère de Rod? Bon, maintenant, on va faire la même chose. Je vais essayer de convaincre... Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? Alors, c'est la vérité que ton frère Charlie a sauté sans problème. Je pensais que ça te dérangerait pas non plus. How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Il va bien, il est avec moi. T'inquiète pas, il va bien. Pourquoi tu es là? C'est davantage de toi, c'est une fille. Merde. What? Putain. Don't talk to me anymore. C'est ça le problème en fait. Je dois pouvoir parler tranquille s'il vient me gêner. Jay. Donc la deuxième, je sais pas ce que je dois répondre encore. On va voir. Poussé? What? Les mecs, il y a des passages secrets de partout là, je comprends rien. La cabane dans l'arbre! La cabane dans l'arbre! Ok, on va essayer de lui parler cette fois. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux me cacher pour lui parler? Jay! Ah, il arrive! You? What happened the other day? Putain, il arrive. How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted non, to tell arrive, me. Bon. Where is he? I mean, is he okay? Okay, ne t'inquiète pas, il va bien. Pourquoi tu es là? What? Don't talk to me anymore. I'm gonna faint. Okay, donc c'est pas la bonne réponse. Jay. Alors, je sais pas, je l'ai pas vu depuis des jours. Je me souviens davantage de toi. Okay, on va le dire yes, ça. Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Okay, donc on s'en est sorti en fait. Il préfère que nous allions au van de Rod et que nous revenions à la maison. Eh bien, c'est Mike qui est en cage maintenant. Quand il a vu que t'as capturé, il s'est mis très en colère et rentré Rod sans. Ok, parce qu'en plus, il est amoureux d'elle, donc si on dit ça, ça le... c'est bien pour lui en fait. Oh, ok, il arrive l'autre, il est là, je pense. So nice. Il est si gentil. On a arrangé un coup, donc s'il s'en sort. On... Oui, super sympa, je t'ai sauvé l'autre fois, ne m'en pas. Nous devons tourner au vin de Rod, suis-moi. Nous devons faire cette ensemble, suis-moi jusqu'au vin, t'échapper à lui. Là, tu vas te cacher, il n'y aura aucun problème. Ok, I'll follow you. Inch'Allah, Rod, il est pas là. Allez, dépêche-toi, bus en girl. C'est mort. Elle met tellement sa vie, elle. Ah, d'accord. Elle... Ok, merci, l'IA du jeu. Je pouvais l'attendre. Hein. Ah, je pouvais t'attendre. Hein. Je pouvais t'attendre une décennie. Ça, c'est cool, ça. Dépêche-toi, bus en girl. Fuck. Fuck, fuck, fuck. On est en sécurité, bus en girl. T'inquiète pas. Il y a un trou là-bas que j'aimerais bien faire. Pour ça, il me faut l'appel. Hein? T'inquiète pas, mec. Je m'occupe de tout. Faut ce que j'aille voir là, moi. Il y a d'autres trous? Non, c'est pas là, pardon, excuse-moi. Tu peux partir, s'il te plaît? Quoi, j'ai cassé le jeu? Je suis bloqué là, non? Je crois que je suis bloqué, les mecs. Je suis obligé d'amener Rod, peut-être que Rod il va la bousculer. Les gars, si je suis bloqué là, je rigole. C'est la malédiction. Copain Rod. Il y a que Rod qui peut me sortir cette situation. Il est où? Il est jamais là quand on a besoin de lui. Rod. Les gars, je crois que je suis bloqué. Oh non, j'ai fait le pire des trucs. Oh, je suis deg. Il est où? Tu m'entends, Rod? Rod. Il est bloqué là-bas? Ah, ils sont tous bloqués, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'ai jamais de chance. Non. C'est la malédiction, ça. Barre-toi, barre-toi. Toi, tu te barres. Mais casse-toi! Je peux même pas mourir, je fais comment? Oh mon dieu, j'ai réussi à m'en sortir.
J'ai fait un jumpy bug et Rod il est bloqué. N'importe quoi ce jeu. Ouais, vraiment. Allez, viens ici toi. Voilà. Peut-être en sécurité, je ne sais pas. Hop là. Donc elle est un peu buggée à cause de moi qui avais quitté le lieu sans l'avoir laissé se mettre en place, son frère. Donc là j'ai la clé de la cabane. On va à la cabane. J'espère que c'est bon. J'espère que je ne vais pas crever. On a accès à la cabane. Coffre de Rod. On a des pétards. On a un truc en bois bleu là. C'est quoi ça? On a des chevaux. Oh, attendez, ça va sur ça? Ok, j'ai un cheval en bois. Il faut plusieurs chevaux en bois. Donc je prends le jaune qu'il y a dans le camion. Alors attendez, là c'est chaud parce que j'ai peur que je puisse plus rien mettre dans le camion. Les conneries là. Cheval en bois. Il faudra plusieurs chevaux en bois pour ouvrir le coffre de Rod. C'est un coffre spécial, je sais pas ce qu'on trouvera dedans. Déjà on en a 2 sur 4, c'est cool. Ok, on va retourner au van. Lui il est là. Donc j'espère que ça va pas me causer du tort le fait que je sois les deux bloqués comme ça. Ça va être compliqué. Ah ouais, mais on a plus de place là pour entrer dans le van. Oh, ça va être la merde. C'est pas mieux de me faire buter, vraiment. On se tire au métro. J'espère que c'est bon, hein, parce que s'il y a plus de place dans le van. Wow. What the fuck? 940? Oh, il y a une nonne. What? How could this be? This baby seems to have been born. I don't understand. So it's true. It is. A miracle. A miracle. Les gars, c'est Villenon, c'est pas possible. Sur le métro. Les gars, non. C'est pas l'enfant des Villenon. Vraiment, c'est incroyable. Ok, le jeu est broken, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Bon, ben je crois que j'ai cassé le jeu. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore une solution. Si je... Voilà. Ça va être compliqué, vous avez vu comme... Ok, Rod est là. Donc là, j'ai regardé la pub, je sais que je dois faire ça. J'ai pas envie qu'il arrive. C'est juste incroyable, Rod est l'enfant des Villenon. C'est vraiment un jeu de malade. Ok. Là, on a fait péter l'autre côté. Bon, je pense que Rod l'a entendu. Donc, je vais pouvoir peut-être éteindre le feu et me permettre de traverser. Ok. Donc, j'ai recommencé la partie. Est-ce qu'il y a un code à faire? Ah, 512. Le nom de la voie. Est-ce que ça marche si je fais 512, genre? Ok, j'ai tenté une combinaison, mais j'allais recommencer ma partie. 284, c'est pour ça que ça marchait pas. J'ai eu un bug dans le jeu, en fait, j'ai dû recommencer. C'est pour ça que là, vous voyez l'hydraulique en bas de moi. Ok, donc on a changé le mécanisme. Normalement, le train ne vient plus sur moi. Yes, excellent. Donc, je peux récupérer la clé. Du coup, je peux récupérer l'hydraulique. Donc, l'hydraulique servira pour la moto. Hein. La moto, on aura besoin plus tard. Oh, je mets ça où? Je vais mettre ça où, les mecs? What the fuck? Je vais mettre ça où? Je vais récupérer la clé. Allez, viens, BG. Ah, il est malin. Il est malin. Il est malin. On va attendre. Au revoir. Ok, on va récupérer cette clé qui brille. Qui m'a valu ma première vie. Normalement, c'est bon. Là, il n'y a pas de risque. Je peux la récupérer sans mourir. Je suis même pas sûr que c'est une clé, honnêtement. Oh, j'ai eu peur. Hein. C'est un cheval sur un chewing-gum. Ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. Ok, au revoir, monsieur. Donc, on a 3 chevaux. C'est cool. Les mecs, on a 3 chevaux sur 4. Donc, bientôt, le coffre de Rod, on est bon. Donc, voilà. Donc, si vous jouez au jeu, je vous conseille d'attendre que, dès que vous sauvez les deux, vous arrivez à les convaincre. Attendez bien qu'ils arrivent au fond du van, sinon regardez, vous êtes dans cette situation de merde. Go camping. Faut que je mette la clé. Congratulations, Rod, for your 15th birthday. Be strong. We heard about the death of Joseph Sullivan. I wish I could be with you. Ok, Rod a 15 ans. But the Lord requires me here a little more. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. D'accord. Even though I can't come to you. Donc you la can non. Visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why, si tu savais pourquoi, mais pourquoi en fait? Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Donc elle lui envoyait des lettres à chaque fois. Hein. See me. I ask you.
Congratulations, Rod, for your 18th birthday. Ans. Congratulations, Rod, for your 19th birthday. For your 20th birthday. Non 21st birthday. Et ouais, c'est Evil Land, c'est sûr. 23rd birthday. 24th birthday. Congratulations, Rod, 25. For your 25th birthday. C'est la dernière fois que je t'écris. The last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. D'accord, elle le veut vraiment, Even so, en fait. I never stop dreaming of the day you and I meet again. We have so much to talk about. I want to hug you like when you were 4 years old and you were with me. Keep the book I gave you as your most precious asset. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan. Okay, il va nous donner le livre que son père avait en fait. Il me l'a fait me voler maintenant, je te le donne. I give it to you, thanks to the fact that more time has passed. I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. C'est vraiment une famille de démons. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, your mother will always be with you. Sister Madeleine. Sœur Madeleine. Sister Madeleine. Oh, les gars, je me suis fait spoil sur ça, honnêtement. Mais c'est tellement kiffant de le voir. Je trouve ça tellement épique quand il y a des histoires comme ça, en plus qui se relient entre jeux. Je trouve ça magnifique, hein. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous étiez pas au courant. Enfin, pas tous. Je sais que voilà, le jeu se fait des années, il est sorti. Et moi, perso, je trouve ça incroyable. Donc, lui m'a vu. J'hésite à monter dans l'arbre. Je me mets un peu dans la merde, je pense. Il vient pas? Ouais, si, il vient pas, ça. Il manquera un dernier. Donc, vraiment, quand il y a des histoires comme ça, je trouve ça juste incroyable. Donc, maintenant. On va aller au centre commercial avec le truc hydraulique. C'est parti. Donc je l'avais déjà fait, mais vu que j'ai eu un bug entre temps, il a fallu que je le refasse. What the fuck, mec? Oh mon dieu, mec. Oh mon dieu, mec. Ah, si je m'attendais à te voir là, c'est un truc de fou. Donc j'ai pris un peu d'avance aussi, vu que j'ai eu des bugs, j'en ai profité. La moto qu'on trouve, on va en avoir besoin ici. La moto. On va être en bas. Il va falloir que je parle au mec, au garde, avec la moto. La moto qui est très très dure à conduire, de l'émulateur en tout cas. Avec les doigts, c'est plus facile, je pense, avec un téléphone. Hein. Moi, je vais galérer là. Ok. Hey, que pedo contigo, hombrecito? Why are you making so much noise? I don't know what that weird man in you are playing. You know, I see you on the cameras, Merlin. Do you want me to call the police? Ouais, genre, non. No manches, wey. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Ah, break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Hey, hombrecito, let's make a deal. Faisons marcher, si t'arrives à passer toutes les caméras de sécurité en temps record, je te donnerai un prix. Ah! What the fuck? Mais sérieux, y'avait aucune musique?